Oh, si on faisait des essais spéciaux. De mon temps, eh ben, je suivais des personnes comme Willis O'Brien, Alexander Starevitch, Max Effler, les frères Fleischer, avec la rotoscopie. Allez, ça sent de rigoler. Oui, c'est moi, Mordicus. Oui, aujourd'hui, on va faire regarder ce masque. Oh, ce magnifique masque qui se trouve ici. Oui, alors on va faire le magnifique masque. Et oui, aujourd'hui, on va faire le masque en silicone. Oh, je sais! Et si on allait directement là où se trouvent les masques, les maquilleurs, les prothésistes? Oh, oui! En plus, une minute à perdre. Vite, traversons l'Atlantique, direction Los Angeles, et plus particulièrement, le Monster Palooza. Allez, c'est parti, mon kiki! C'est votre valise, ça? Ouais, et alors? Mais d'ailleurs, elle est où, la vôtre? Là où on va, on n'a pas besoin de valise, et oui! Et grâce au télétransportanium, si tout arrivait, c'est tout reparti. Alors pourquoi s'embêter avec des bagages? Mais d'ailleurs, mais ceux qui nous regardent, ils n'ont pas de télétransportanium! Oh, je sais, j'en ai deux! Oh, ça me donne une idée. Et si on faisait un petit concours? Ah oui, ils nous envoient une photo ou une image en nous parodiant? Ah oui, excellente idée! Et il suffit de l'envoyer à l'adresse qui s'inscrit ici! Et le meilleur, eh ben, il gagne un télétransportanium! Exactement, le meilleur gagnera un télétransportanium! Quant au second ou le troisième, il recevra toujours quelque chose de notre part! Et le tout avant le 31 juillet 2016, hein, de préférence! Oh, oui, quand même, ouais! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre passeport? Non, mais c'est pas bon, c'est... Dimitrius du... J'arrive même pas à prononcer son nom de famille, là. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, il a une belle tête de pas de bonheur, lui, hein. Étude en trouble obsessionnel compulsif. Ah, et il s'est cuisiné le fion breton. Mais qu'est-ce que ça me fait une belle jambe, ça? Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire un stage au sein des CXSP. Mais est-ce qu'on reçoit des stagiaires ici? C'est vrai, hein. Et puis c'est un stagiaire. Les stagiaires, ils sont où, là? Il est où, le stagiaire? Ah, ils sont tout le temps en retard, ces stagiaires. C'est fou, ça. Eh ben, dis donc, hein. Tombe bien, lui. Par contre, je suis quand même curieux de savoir comment ils nous voient, les abonnés. Quant à nous, intéressons-nous donc au salon Monster Palooza. Après l'épisode 14 et la visite du salon de Saint-Louis, intéressons-nous maintenant aux professionnels des effets spéciaux, plus particulièrement des maquilleurs. Et oui, après le FaceCast et l'épisode 37, et avant d'aborder les pâtes à modeler et comment faire des prothèses en silicone, et ben, voyons voir quelques exemples en allant direction Los Angeles. Vous êtes prêts, mon cher Henri? Mais oui, Los Angeles, je vais y aller. Allez, télétransportanium. Allez, 3, 2... Hein? Mais moi, je fais quoi? Les tâches besognes. Le nettoyage. Oh, ça y est, on est arrivé sur le terrain américain. Oh, c'est génial. Oh, j'adore ça. Oh, non, on s'est trompé. Mais si, regardez l'herbe verte, c'est les bleus. Vous voulez qu'on soit où? À Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas, mais c'est pas possible. Oh, mais, on a fait une erreur de 500 km. Pourtant, je l'avais réparé, là, vous savez, pour le jeu, là, pour les abonnés. Oui, mais ça veut dire surtout que cet appareil ne fonctionne pas correctement. Vous voulez qu'on donne ça aux abonnés? Oui, bah alors. Si, tu vas être le cadeau des abonnés. Aussi, tu as le cadeau des abonnés. Il m'énerve, allez. Direction maintenant, Los Angeles, allez. Dos, uno. Oh, j'ai chaud. Mais 500 km, vous disiez, 500 km? Oui. C'est un skieur trompé. Allez, on recommence. Allez, Los Angeles, 3, 2, 1, 4. Oh, nous voici arrivés à Los Angeles. Ouais. Il faudrait quand même que je vérifie le télétransportanium, il y a quand même un souci, hein. Je m'en occupe. Oh, regardez derrière moi, le Griffith Observatory. Eh oui, que l'on a vu dans de nombreux films américains, comme par exemple les Terminators. Enfin, quoi qu'il en soit, nous voici ici à plus de 9800 km de notre laboratoire. Eh oui, sur le territoire américain. Eh oui, afin de vous présenter, le Monster Palooza.
Et oui, depuis 2009, ce petit salon ne cesse de grossir. Et oui, en réunissant quoi? Eh ben, des artistes maquilleurs, prothésistes, fabricants, et même des acteurs de séries télé et de cinéma. Le tout lié aux effets spéciaux. Mais cessons là le blabla, et direction Los Angeles, et plus précisément Pasadena. Allez, c'est parti mon kiki. Oh, nous voici à l'intérieur du Monster Palooza. Et oui, ce fameux salon américain dédié à quoi? Dédié au monde des effets spéciaux pour le cinéma et les séries télé. Oh, les effets spéciaux. Eh oui, on a vu dans l'épisode 37, le face cast, la prise en pointe faciale à base d'alginate de silicone. Eh oui, effectivement, tous les comédiens, avant de participer à des films à effets spéciaux, doivent forcément se faire tirer le portrait. You too, that's why I wanted to... Qui va vous servir pour faire vos prothèses. Mais avant, il y a une étape primordiale, effectivement, c'est la sculpture. Et pour faire la sculpture, il faut quoi? Il vous faut des pâtes à modeler. Pâtes à modeler que l'on verra au cours d'un prochain épisode. Mais regardez par exemple ici, une petite pâte à modeler que l'on fait chauffer. Oh, yeah, this touch. Look, you can sculpte correctement. Alors, ce que je vous conseille maintenant, c'est de regarder les quelques images qui suivent. Et oui, des images de sculpture. Une fois la sculpture réalisée, reste l'étape moulage. Effectivement, vous réalisez vos prothèses. Qui vont être tirées en quoi? Qui vont être tirées donc en latex, en silicone, voire en mousse de latex. Pour faire donc soit des prothèses, soit par exemple des masques comme il y a là, ici, derrière moi. Regardez. Masque en silicone. La pose des prothèses. Et oui, car il faut bien poser les prothèses sur les comédiens. Alors ici, bien sûr, il y a plein d'artistes prothésistes. Regardez ces quelques images de pose de prothèses. Oh,
petit chat. Passe maintenant les finitions, finitions par airbrush par exemple. Ici sont très très bien représentées, des écoles de maquillage, et oui, ce qui permet donc aux élèves de tester en public de grands maquillages incluant des prothèses. Et ces élèves, bah, certains participent même à des émissions de télé, comme c'est le cas par exemple par Face-Off. Et oui, on a rencontré par exemple Venel qui participe au jury de Face-Off. En France, par contre, on a des écoles de maquillage qui sont très réputées. Par exemple, Métamorphose qui se trouve à Strasbourg. Allez, un petit coucou pour Métamorphose. Allez, passons à la suite. Ah oui, alors je disais, oui, des effets gore. Voyons maintenant des effets gore. Voilà, nous venons de faire le tour du Monster Palooza. Si vous voulez d'autres photos, n'hésitez pas à aller sur Facebook. On a mis plein de photos. Et regardez ce que j'ai trouvé. Des livres d'effets spéciaux, notamment celui-ci. Grandes illusions de Tom Savini. Avec plein de secrets d'effets spéciaux. Oh, 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 qu'est-ce que je vois? Tom Savini est ici. Oh. Et voilà, le Monster Palooza, c'est fini. J'espère que la petite visite vous a plu, hein. Allez, maintenant il faut rentrer au laboratoire. Putain, où est-ce que j'ai mis mon télétransportanium? Oh, c'est Professeur Williams qui l'a. Mais où est-il d'ailleurs? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, bref, on revient. Allez, suivez-nous sur Facebook pour avoir plus d'informations. Et puis je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas nos petits concours, hein, photos ou dessins, rapport avec FXSP. Allez, à bientôt. Taxi! Taxi! Mon appareil ne marche pas. Mais pourtant, je vous l'avais dit, il faut 2,21 gigawatts. Mais où voulez-vous que je trouve 2,21 watts? 2,21 gigawatts? Ouais. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais attendez, attendez. Vous le connaissez, non? Oh, il valait. Ah oui, oh non, tout de Zeus. Bah oui, on va demander à Doc de nous trouver une solution. Allez, allez, vite.